Le président égyptien Mohamed Morsi a rencontré mercredi une délégation américaine menée par le sénateur John McCain. Au menu des discussions, le soutien américain à l'économie égyptienne et la sécurité dans la région. Une aide additionnelle de 489 millions de dollars à l'Égypte. Nous sommes tous pour. Nous avons contacté nos collègues du Congrès dans l'espoir qu'elle soit approuvée prochainement, car il y a un besoin ici. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle américaine de 2008 effectue une visite de 3 jours en Égypte. La veille, il avait rencontré le premier ministre égyptien Hicham Kandil et des membres du principal bloc d'opposition, le Front du Salut National. Il s'est également entretenu avec le ministre égyptien de la Défense, Abdel Fattah El-Sissi, avec lequel il a évoqué le renforcement de la coopération militaire et la sécurité dans la région. Nous avons discuté de nos sérieuses préoccupations à propos de la situation dans le Sinaï et de la nécessité pour le gouvernement égyptien de faire plus pour y améliorer la sécurité. Les États-Unis fournissent à l'Égypte une aide militaire estimée à 1,3 milliard de dollars américains depuis que l'Égypte a signé un traité de paix avec Israël en 1979.